dame. Notre belle dame. Oh là là, oui, c'est. C'est des échafaudages. C'est Saint-Louis, là. Oui, oui, Saint-Louis. Ah, mais là, tu prends des échafaudages. Bah oui, bah parce qu'il n'y a pas autre chose à prendre. La flèche. Ils ont mis quoi? Elle est faite, la flèche? Non. Non, bah si. Ah, mais oui, là, elle n'est pas finie. Non, non, pas avant fin 2024. Ils sont en train de refaire. Ils ont blanchi des choses, hein. Elle sera faite pour les Jeux Olympiques, je pense. Ils ont blanchi des trucs. Ils l'ont complètement refaite, non, vous direz? Oh bah oui, ils ont tout. Hein? Ils sont toujours en train de travailler dessus. Oh, ouais. Quand on pense qu'elle a mis plus de 250 ans à être construite, hein. Ils amenaient ça, c'était avant Léonard de Vinci, il n'y avait pas les grues, il n'y avait pas tout ça. Non, hein. Il n'y avait pas tout ça. Ils montaient ça à dos et hop là, pierre après pierre. Hein. Il devait y en avoir des morts. Hein. Un million d'euros. Hein. Bah, tu m'étonnes. Quoi? Tu m'étonnes, c'est, ouais, c'est colossal le travail. Ils ont donné là. 600 millions d'euros, je crois. Ah, ouais. Ah, pour ça, ils ont donné, hein, tu vois. Alors nous allons vous dire que... Ça va être fini quand, tu dis, toi? Ça va finir à l'inauguration des Jeux Olympiques. Ah bon, ils vont faire oui, quelque chose? Oui, il y aura un plongeon de Madame Hidalgo qui va venir s'écraser. Ah, c'est le haut vol qu'ils vont mettre là, en haut de la flèche, dans voilà, la Seine, voilà. Oui, oui, tout à fait. Et elle participe au concours? Et après, il y a le contour de la Seine qui sera juste ah ben à voilà, ben. Et on pourra après, piano, et après, on pourra s'habiller en maillot de bain, juste après. Ah bon, d'accord. Donc, alors, c'est une épreuve où elle va participer? Oui, mais. Tu dis n'importe quoi. Mais elle va se planter parce qu'elle va s'écraser. Ah, bah oui. Elle ne sait pas nager. Non, mais le haut vol, ce ne sera pas là quand même. Les si, 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 ça partira. D'accord. D'un jet privé. Et elle ira directement dans la flotte. Voilà, son d'un jet. Allez, hop. Arrête de me faire chier là. Non, mais ça veut dire que. Stop, je filme. Voilà. Alors. Qu'est-ce que c'est brillant? Ah, ils ont mis de l'or, c'est pas possible. C'est de l'or. Regarde, le pont Alexandre III. Alexandre de Russie? Oui, trois. C'est rare qu'il fasse beau. Pas me dire que c'est des parigots, ça. Si, tout ça, ils viennent des campagnes. Bah oui, bah, c'est pas des parisiens. Ils viennent des campagnes, bah, ils viennent pas de Paris. Mais si, mais ils viennent des banlieues, il y a beaucoup de gens. Ah bah, ils sont pas Paris, c'est ce que je dis. Thank you.
danse avec elle. Non, c'est la samba. C'est pas mal, mais drôle. Alors, vers le centre de Bogota, donc là nous allons au musée de l'Oro. Et on sort du musée, on a joué hier. Le musée. Ah, mais déjà rendu ? Mais pas du tout. La tête. Voilà, on est encore à 1 km du musée. Là, je ne vous raconte pas le monde qu'il y a. On a perdu là. Ah mon Dieu. Elle a la bave. T'as la bave. Tu baves, t'en as partout. Ah oui, je suis dans la folie colombienne là. Alors... Arrête toujours de faire ta... comme si je t'interviewais. C'est la porte blindée. Hein. Impressionnant. Hein. C'est fort que Fort Knox. Oh la vache. Là, la porte. Ah bah ça c'est de la présentation. Hein. Oh là là. C'est fou hein. Voilà notre camion. C'est fou hein. Oh que vois-je. Là, vous avez votre camion là. Voilà, nous nous rendons à la messe de la Carte. Vous voyez les montagnes derrière. Vous venez les feux. C'est encore un peu la fumée. Ça fait très romain. SDF. Voilà. Quand on parle du feu, voilà. Il n'y a pas un nuage et voilà le panache de fumée. Ça c'est l'incendie. On vient d'entendre des canadaires. Enfin, c'est pas loin. Hein. Bogota.